Qui commence à répondre? On en fait un. Bah du coup t'as perdu. Du coup tu parles. Ah c'est moi. Ah d'accord. Bon alors parallèle. Équipe. Bienvenue. Bonjour, moi c'est Jade Pedri. Moi c'est Thomas. Je m'appelle Jules et on est là pour vous présenter Parallèle, la nouvelle série Disney+. Moi je joue Roman. Moi je joue Samuel. Moi je joue Victor. Moi je joue Bilal du coup. Parallèle, ça parle d'une bande de collégiens. Qui se retrouvent après les cours dans un bunker pour faire le point sur la vie, pour rigoler ensemble. Ce bunker est à côté d'un accélérateur de particules. Et un soir d'expérience, la lumière s'éteint, elle se rallume. La porte est fermée d'intérieur, mais il n'y a plus le même nombre de potes dans ce bunker. Et il se passe des choses un peu spatio-temporelles inexplicables. Je dirais Tim ou Max, gentiment. Ça balance. C'est moi. Jules, c'est le pro du. On change un peu le texte pour faire un truc qui est tout aussi cool. Vraiment, il est trop fort. Mais il y a des moments où non, mais tu sais, Jules, tu peux. Non, mais c'est bien ce qui. Mais Jules, en fait, il faudrait que tu dises cette phrase-là. Oui, mais c'est bien ce que tu fais, mais la phrase. Et les gros mots aussi. Omar. Ah, Omar. Omar, franchement. Je peux pas aller contre ça. C'est Omar. Ouais, c'est vrai. C'est... Omar, clairement. Omar. Je dirais que c'est Jade et toi, ou Jules et toi. Ah ouais, ouais. Avec on n'a pas été gênés, non. On a eu des scènes un peu un peu bonjour. Que faites-vous là? Mais c'était pas gênant, c'était plus c'était un bon pote. Mais rien n'était gênant, sauf bien, ta même. Présence sur le plateau, mais à part ouais, ça. Mais ça non, mais ça c'était un truc global, donc c'est pas peu. Oui, ça va pas mal parler à Jade. Je dois surtout parler à Jade, si elle s'en rappelle. Moi, j'étais juste derrière Jade. C'est quand on tournait les scènes du bunker. Et dans un virage, il neige. La neige est très vite devenue varilla. Je me sens partir dans le virage, c'est genre en mode... Elle part sur le côté et elle se cogne la tête sur... Un morceau de neige solide. Je me suis dit, je vais me relever. Mais en fait, mon corps m'a dit, bah non, tu peux pas. Tu et peux du pas. Coup, j'étais là, je vais me lever, ça va être une mare de sang, mon visage va être bleu. Elle s'est relevée avec l'adrénaline, elle a fait, non mais ça va, on peut reprendre. Puis après, c'est petite cool. Bosse. Ah mais on avait peur. Enfin moi j'ai peur. Non mais c'est vrai. Ça c'est moi. Ouais, c'est Jade. Jade je pense. Jade ouais. Je connais toutes les chansons par cœur, je suis une fan inconditionnelle de Disney. Et elle connaît vraiment toutes les chansons de Disney, c'est vraiment impressionnant. Et certains dialogues. Donc c'est moi, sûr. Elle est vraiment à ça de se faire un tatouage là. Ouais. Non je pense qu'aucun de nous n'est vraiment très peureux. Ou très courageux non plus. Ouais très fou. Ouais. Mais je suis quelqu'un d'angoissé de base. Alors qu'il est incroyable. C'est un acteur incroyable. Personne incroyable aussi, mais... T'as vu la poche pour le billet, c'est là. Déjà de la science-fiction comme ça, et une série qui parle de monde parallèle, de voyage temporel, fait en France, de la manière dont elle a été faite, dont nous on l'a faite, bah, je pense que c'est une première, ou en tout cas... Il n'y en a pas beaucoup, que le résultat est vraiment bien et vraiment plaisant. Et je trouve que ça peut plaire à tous les âges. Et... Ça t'a convaincu? Ouais. Moi, bah. Ouais. Et ben, Melty, on espère que vous allez adorer Parallèle. N'hésitez pas à nous envoyer des messages pour nous le dire. Et puis, il y a des dragons aussi dans la série et c'est assez stylé. Ouais. Ça va. C'est trop gênant.